Vous saluez au nom du Tout-Puissant et souhaitez un très bon, un très bon mois de carême aux musulmans. Amitié, amitié. Dans la démarche d'un homme, il doit pouvoir faire ce qu'on appelle le bilan et améliorer ce qui est bon, améliorer ce qui n'est pas bon du moins, et puis perpétuer ce qui est bon. L'année dernière, nous avons cédé, nous avons accepté qu'il y ait des sessions uniques, oui, des compositions en ligne. On veut plus ça. Et même ouais, mettre la pression sur certains de nos camarades pour qu'on ne parle plus d'étudiants non inscrits, d'étudiants inscrits dans le délai. Ça répondait à un seul principe. C'est nous de voir nos universités, nos institutions publiques et privées, quand même être logé au rang des universités qu'on peut montrer, dont on peut parler. Le dernier classement est sorti sur 200 universités en Afrique. On n'est pas dedans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Dans quelle université, aujourd'hui, on demande à l'étudiant de pouvoir lui-même, dans un système LMD, lui-même se donner les moyens pour avoir la connexion Internet. On demande à l'étudiant de souscrire un projet où il va payer 1000 francs par mois pour pouvoir avoir des data afin de faire la recherche. Ça veut donc dire que le système a encore des problèmes de fonctionnement. Le système LMD ne fonctionne pas chez nous. Mais pour sacrifier des milliers d'étudiants, on clame fort que le système va bien. Depuis l'ouverture des universités, les frais de bourse n'ont pas varié. Mais par contre, les frais d'inscription ont varié de 6 000 à 30 000, 60 000, 90 000. Dans des départements tels que sans économie de gestion, droit, pour pouvoir jouer d'un master 2, il faut avoir au moins 600 000 ou 800 000 dans l'université publique. Alors, nous nous interrogeons, est-ce que l'enfant du pauvre ou le pauvre a droit, tel que l'État le clame haut et fort, aussi à toi, à l'éducation? Est-ce que ce n'est pas une politique volée, une autre forme de privatisation de nos institutions publiques? Pourquoi est-ce que 240 000 depuis 1980, aujourd'hui, encore on fait des rangs pour percevoir les 240 000 hors l'inscription et à 30 000 francs? On nous a parlé de solo l'année dernière, c'est pas cette année. On ne peut pas passer chaque année à sauver. C'est qu'il y a un problème. Nous avons lutté pour que
désormais les étudiants soient représentés dans les conseils d'université. Et ici, c'est une réalité. Vous avez vu le talent. Sinon, Emmanuel nous représente directement au conseil d'université. Mais lorsqu'ils sont partis pour cette première question de cours en ligne et pas en ligne, et ça, c'est le sujet principal d'aujourd'hui. Certains départements ont commencé les cours, mais d'autres attendent encore parce que des doyens veulent encore procéder à la formation en ligne. Les arguments qu'on avance, on dit qu'il y a Covid. Mais attention, attention, on ne va pas se laisser distraire. On ne va jamais se laisser distraire. Parce que pour nous, c'est un engagement. En l'épreuve ici, il y a les dernières. Des étudiants ont composé en ligne jusqu'aujourd'hui. On ne peut pas dire si oui ou non ils ont composé. Ça veut dire que le système est défaillant. Et lorsque le défaillant est un système, c'est la règle. Et bon, aujourd'hui, on ne peut pas venir nous. Bon, écoutez, vous allez venir enseigner physique nucléaire à Lille. Nous avons trouvé que c'était une situation de trop et que l'engagement de la Tawara Sengle Allah, ni le général Magalé que je suis et mon équipe, l'engagement que nous avions pris pour vous, c'était pour lutter dans la dignité, pour le relèvement de l'école. Et c'est un engagement auquel nous sommes fortement attachés. C'est pour cela que nous interpellons la présence de l'université et des universités de Côte d'Ivoire. Que désormais, on puisse trouver des solutions scientifiques, pour ne pas dire intelligentes, pour les écoles ivoiriennes. Que désormais, on doit trouver des solutions à long terme que de trouver des arrangements qui vont sacrifier des milliers d'étudiants au profit de ceux qui sont parrainés. Aujourd'hui, dans quel système éducatif, le système de logement n'est pas connu, les critères ne sont pas connus, les critères pour obtenir la bourse ne sont pas connus, les critères pour être aidé, parlant de secours financiers, les critères ne sont pas connus, mais il y a des boursiers, il y a des logements, il y a ceux que l'État aide. Or, pourtant, on peut faire ça de manière claire, sans discrimination. On peut faire ça de manière claire, sans discrimination. Pour que Yao, quand il reconnaît, à l'époque, l'agent lui, Yao, il sait qu'il n'a pas eu 12 semaines, mais qu'on a eu 14. Mais quand nous sommes dans un système, à Bédou, on nous laisse dans ce trou et on favorise certains qui n'ont même pas le droit de pouvoir avoir la bourse, mais ils sont poussés. Ils sont poussés. Aujourd'hui, les doctorants, c'est en Côte d'Ivoire, on voit association des docteurs non recrutés. C'est en Côte d'Ivoire, on voit que la CA assise ici et puis il dit qu'il faut qu'elle dispense le coup à l'île. Mais pendant clairement le problème, pendant clairement le problème, mais pas que votre stratégie vise à sacrifier les enfants de pauvres que nous. Parce que j'ai l'habitude de dire, il y a 7 ans qu'on n'est pas les papas en Côte d'Ivoire ici. Sinon, on connaît les enfants de Fabaï, on connaît les enfants de Babo, on connaît les enfants de Pétier, on connaît les enfants de Ouattara. Mais il y a des gens ici qui ont profité de la bouche de l'État pour aller se former à l'extérieur. Son papa n'a rien, il est parti. Et la bouche de l'État. Il est revenu, il veut nous vendre ça.
Jamais. On va jamais accepter ça. On va jamais accepter ça. On va jamais accepter ça. Et donc, mais je vais vous dire, lorsque vous m'avez fait confiance, en me confiant cette grande machine qu'elle a fait ici, l'engagement qu'elle a pris avec vous, c'était d'éradiquer la violence dans notre système. Qui sont ceux qui exercent la violence? Ils sont ici, contre vous. Mais aujourd'hui, on voit des étudiants qui eux-mêmes vont violenter les camarades. C'est plus facile qu'ils font eux-mêmes. Et donc, pourquoi ça se fait? Me dit, comme pour avoir plus que ces réseaux, moi il y a le réseau plateau. Lui, les étudiants ici, hein? Lui, son papa, lui-même n'a pas plus. Son papa n'a rien. Lui, il a un réseau de plus. Et il prend votre dossier. Il prend votre dossier. Il va se cacher dans les chambres. Il dépose ça là-bas. Et puis, il regarde après. Tous ceux qui ont eu leur nom affiché. Et puis il vient te dire, mon ami, c'est moi, c'est mon réseau là qui t'a donné. Pour mettre fin à tout ça, on avait demandé à l'État pour bancariser le paiement. Depuis longtemps, pour ne plus qu'il y ait de fil à la caisse, pour que les structures agrandies syndicales aillent faire des ponctions sur la bouche des étudiants. Dieu merci, on a eu trésor monnaie. Où ceux qui ont profité de ça, ils savent tu as la maison et puis tu reçois ton argent. C'est où quelqu'un va devoir me prendre. Mais cela, il a compris que la fessie gardait son nom. Parce que moi, je suis fessie. Mais il faut qu'on encaisse plus et tu dois encore voir son argent directement. Il a vu sur les réseaux sociaux que ce n'est pas normal. Donc, il a appelé cet ami, mais est-ce que toi, tu es poussé? Il faut laisser la poussière là, on va parler. Parce qu'on est dans la boue, nous tous. On nous sacrifie. On fait des années, on ne sait pas où on va. Tu vois, en toi ici, il y a des générations de masters qui sont en train de soutenir le masters. Ils sont là. Il y a quatre générations ici. En communication, c'est bloqué. C'est bloqué. Et chaque année, la génération même pas comme un timide en attente de soutenance ou de sélection. Et je viens de vous dire qu'il y a une association de docteurs non recrutés. À l'université de Nawa, aucun docteur m'a été recruté. Ça veut dire que vous dites là-bas, soit on doit supprimer le doctorat ou bien fermer l'université. Parce que il n'y a même pas un dans le recrutement qui se fait là. Un docteur qui vient de l'université de Balois. Il y a problème. Il y a effectivement problème. Et je veux vous appeler à la responsabilité. Vous appelez à la solidarité. Pour que vous compreniez que nous, qui sommes aujourd'hui en master, nous devons mener le combat des licences 1, des licences 2, des licences 3. Merci. Pour que ceux qui sont en licence 1 aujourd'hui comprennent qu'ils peuvent compter sur des années pour les tirer. Si l'année humaine est mal formée, est-ce qu'on peut créer des cellules dans le nouveau bachelier? C'est pas possible. Encore une fois ici, taille back, taille problème. Il y a un monsieur qui est assis là-bas, on l'appelle Maïga. Toi, taille back, toi. Et puis, on t'a voir dans l'université privée. Lui seul, ça veut dire que pour confirmer que tu es bachelier, tu payes 5 200. Quand tu finis, pourquoi on t'oriente? Tu payes 10 000. Et puis, imaginez le nombre de bacheliers par an. Mais lui, il a assis là, et puis tout le monde fait comme ça, on ne le voit pas. Donne-moi de ça. Ça veut dire que c'est son nom qui est devant. Et puis vous trouvez pas d'ailleurs. Nous avons décidé de faire un document de manière claire pour faire les états des universités publiques et privées en Côte d'Ivoire.
Parce que canaliser le collège, ça n'allait pas. Lorsque le nouveau ministre est venu, elle était d'accord avec la FESI pour faire les états généraux des écoles à son niveau. Mais il fallait que chez nous ici, on puisse faire les états généraux des universités publiques. Pourquoi on comprenne qu'on est en difficulté? Le LMD là, jusqu'à présent, ce n'est pas encore mis en pratique. Il n'y a pas de wifi. On nous parle d'interconnexion des universités. Vous n'avez pas fini le wifi ici. Vous dites que ça soit ici, à Daïwa, à Ma, à Bako. Sortez de la fiction. Sortez de la fiction. Alors, on dit que hier, on a eu des éminents maîtres ici qui vont former les plans, qui viennent ici, qui sont là. Il faut qu'on puisse adapter la formation à la réalité du terrain. Il faut qu'on puisse adapter la formation pour la qualité de la formation et la réalité du terrain. Nous sommes 400 000 étudiants. Mais à peine si on a 20 000 lits. Mais peut-être que le gouvernement ne voit pas qu'il n'y a pas cité. Mais il y a projet. A dit Abouba Djamba a fait 2000 lits. A Dalowa a fait 1200. A Gogodi a fait tant. Mais c'est qui est si vous n'avez pas encore fini de réhabiliter? Pourquoi on donne? Vous voulez construire 60 000 lits? Il faut qu'on sorte de la fiction. Des étudiants sont obligés de squatter des amphithéâtres. Des étudiants sont obligés de squatter les amphithéâtres. Depuis le processus de logement a commencé. On ne sait pas quand ça a fini. Et donc, vous avez beaucoup de sur le feu. C'était pour venir renouveler votre engagement avec la communauté étudiantine de Côte d'Ivoire. Vous dites que nous sommes au travail. Nous sommes au travail pour que nos problèmes trouvent véritablement solution. La FESI que j'utilise aujourd'hui, échange avec toutes les organisations. Nous, on n'a pas de problème. Les délégués sont là, les médecins sont là, les handicapés, les musulmans, les chrétiens, nous on n'a pas de problème à ça. Parce que si on ne se parle pas, comment on peut pouvoir déceler les difficultés qui minent les départements? Si on ne se fréquente pas, c'est à quel moment vous allez nous dire, voici un problème. Aujourd'hui, le moquer des étudiants en médecine, qui est une fierté pour l'université de Côte d'Ivoire, aujourd'hui c'est bloqué. C'est bloqué. On nous dit que tout va bien. Tout va bien là, on n'entend pas la même chose bien. Tout va bien, c'est quoi? Mais tout va bien, ça nous va dire, tout va bien. Qu'est-ce qui va bien? Mais tout va bien, tout va bien là, tout va bien. Il va nous avoir une solution réelle pour les difficultés qui minent nos institutions. Et c'est ça que je vais vous dire. Dis, quand dans un jour à venir, si on ne trouve pas de solution, très concrète, nous allons sortir des universités pour aller chercher la solution à la ministre. Je veux remercier tous ces étudiants qui ont bien voulu venir sous ce soleil ardent pour venir attendre l'invité que je suis avec cette équipe de dynamique combattant. Mais en même temps, vous ne pouvez pas attendre le soleil pour rien. Il faut que dans 2 semaines, on puisse faire le passage d'amphi dans les universités pour vous dire à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire pour moi. Pour nous dire que la FESI, aujourd'hui, est dans son trentenaire. La FESI est née en 90.
Mais la Bible nous dit que la fesse est âgée. Après la PDCI, qui est le premier parti politique en Côte d'Ivoire ici, c'est Fessi. Fessi de Côte d'Ivoire, particulièrement, mais en général, la jeunesse de Côte d'Ivoire. On a demandé aux jeunes de sortir de la violence, mais on comprend aujourd'hui que quand on approche les élections, c'est là qu'on connaît tous les étudiants. Les amis qui nous étaient pas avant là, ils t'appellent mon petit frère. Elle dirait que c'est un problème, hein? Mais ne rentrons plus dedans. Nous aussi, nous devons chercher à être des enseignants. Nous aussi, nous devons chercher à être des leaders de demain, des ministres, pourquoi pas le président. Et donc, je vous invite vous tous, le 21 avril, ici à la ville du district, pour une conférence qui sera animée par la présidente de l'université de Baloua. Parce qu'on a consacré ça aux dames. Ce n'est pas une vitre de mer qui est là. Le maire offre à 20 étudiants à partir de demain au siège. Les 20 premières auront 20 pagnes. Et donc, le 184, toujours à l'occasion du 3 de mai, il y a l'été aussi, il nous fait vouloir un conseil ici. Je vous dis, les gens parlent de fini, on parle d'université, les deux, on ne peut pas les séparer. Et donc, voilà ce que je vous ai dit, que Dieu puisse vous permettre d'avoir la force et le courage de combattre toujours pour les étudiants. Que Dieu puisse toucher l'intelligence, le cœur de l'intelligent, afin qu'il trouve des solutions rapidement. Comment il trouve une solution de goudron rapidement là. Vous avez trouvé une solution pour les étudiants de Côte d'Ivoire. Que Dieu puisse lui permettre d'avoir à la bouche des doctorats passer de 600 000 à 1 million pour que les 240 000, les 240 000 là soient 480 000 et les 480 000 soient 750 000. Que ces 20 000 lignes qui sont disponibles là soient effectivement disponibles, mais à côté, il faut qu'on construise encore des résidences universitaires équipées pour que des étudiants puissent bien dormir pour pouvoir servir le pays demain. Puisqu'on dit qu'à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'économie reposait sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, on dit que ça doit reposer sur une jeunesse bien formée, mais c'est où on forme bien? Et donc, je voudrais me retirer. Je voudrais me retirer. Tout à vous êtes chez nous en tille. La bouche qui parle doit avoir peut-être de l'oreille qui est coupée.